Voilà, vous êtes sur Télé Afrique et ici nous sommes sur l'autoroute du Nord, nous sommes à la sortie d'Abidjan. Ça c'est Atingé, voilà, c'est la plus grande zone industrielle d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Donc toutes les grandes entreprises industrielles sont installées dans cette grande zone. Voilà, là-bas vous avez la société de brasserie Brassivoire qui est là-bas, qui était en bourse dans les EBA. Aujourd'hui, vous voyez que c'est carrément au centre-ville. Donc, vous avez plusieurs grandes usines ici. C'est une très grande zone industrielle. Voilà pourquoi on a incité les gens à acheter des terrains à Tingé ici. Parce qu'il y a déjà le boulot. Et qui dit boulot parle de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, ils doivent se loger, ils doivent se soigner, ils doivent envoyer leurs enfants à l'école, tout ça. Donc, très bientôt, je fais cette vidéo pour vous dire que le bureau d'Atingé est quasiment prêt et les projets, la majorité des projets sont ficelés, sont bouclés. Donc très bientôt à Atingé ici sur notre site Cité Les Grands Unificants où nous avons permis beaucoup de personnes à avoir des terrains aujourd'hui avec ACD à Abidjan. Nous allons lancer des projets, des promotions, des logements de très haut standing et des logements économiques. Ça sera des appartements. Voilà, donc dès qu'on commence les travaux, les chantiers, on va vous parler des prix. Et ici, tout ce que vous voyez là, c'est la Y4. Ça, ce sont les travaux de la Y4 ici. C'est ce que vous voyez ici là, c'est ici que ça sera atteint ici. Voilà, les graviers que vous voyez là, c'est la Y4. Donc, c'est l'échangeur sur l'autoroute ici qui est en construction comme ça. Donc, vers ici, ça va au stade EBMP. Donc tout ce que vous voyez là, c'est l'échangeur sur l'autoroute qui est en cours de construction. Tous ces travaux là, c'est le chantier. Tout ça, c'est l'autoroute de contournement d'Abidjan. Et ça va jusqu'à Jacquesville. Voilà. Tout ce que vous voyez là, c'est les travaux de l'échangeur. Voilà. Donc ici nous sommes à Atingé, hein. Ça c'est l'entreprise Limac. Je pense que eux, c'est une cimenterie. Voilà. Société de fabrication de ciment. Donc toute cette grande zone industrielle là, à cause de tout ce monde là, pour loger tous ceux qui travaillent ici, il y a une ville nouvelle qui est en cours de création à Atingé. Donc c'est Cité Les Grands Unificants, où depuis 2021-2022, nous avons vendu des terrains aux gens. Aujourd'hui, ils ont les ACD. Nous-mêmes, nous avons des ACD sur plusieurs sites, mais on ne vend plus de terrains nus à Atingé. Donc comme je l'ai dit, voilà, c'est une promotion immobilière, ce sont les logements économiques et des logements très haut standing. Voilà, que nous allons faire là-bas. Ça sera comme les immeubles de Guétry là, avec des grands centres commerciaux en bas des immeubles. Donc vous voyez tout ici, tout était vide, hein? Il n'y avait rien. Et après la société Ivoirwheel, ils ont fait une station essence avec une boutique, un beau restaurant. Et quelques années après, voilà, tout ici là, tout est devenu une zone convoitée. On n'avait plus de terrain ici, les entreprises sont installées, les particuliers, voilà. Donc normalement la zone habitable, c'est à partir d'ici, c'est le village d'Atingé même là qui est là. C'est devenu un grand quartier d'Abidjan. Voilà, tout est construit. Hein. Tout ça, tout est construit. Tout à l'heure, je vais essayer de soulever le drone et puis vous aurez une très belle vue aérienne de ce beau quartier d'Abidjan. Donc nous sommes à Atingé comme ça depuis que j'ai commencé la vidéo. Nous sommes à Atingé. Ça, tout est en construction. Donc à la sortie d'Abidjan après Jesco, quand vous sortez d'Abidjan après Jesco, vous avez Atingé. Donc ici c'est dans le sens Abidjan Yamsoukro, c'est ce que vous voyez sur la pancarte là. Mbrago Yamsoukro. Donc Atingé, on va prendre la bretelle et un peu devant vous avez le péage sur l'autoroute, le premier péage, soit à la sortie d'Abidjan ou bien à l'entrée d'Abidjan. Mais nous allons prendre la bretelle puisque nous sommes
en train de faire une visite sur Atingué. Et cette voie que nous sommes sur, cette voie là, où nous sommes là, ça va directement jusqu'à Agnama. Voilà, ça sort à Ebempe jusqu'au carrefour séminaire d'Agnama. Là, sur la voie qui va à Azopé et à Beauville. Donc, quand vous partez à Beauville ou bien à Azopé, voilà, vous n'êtes plus obligé de passer par Yopougon. À partir d'Atingué ici, quand vous quittez Yamsoukro, vous prenez la Bretagne. Et puis, directement, vous partez à Beauville ou bien à Azopé. Voilà. Il y a quelques années en arrière, tout ici, c'était la brousse. Aujourd'hui, vous voyez. Vous voyez, c'est comment ça va vite. Donc, en face, ici, c'est la gare. La gare routière, je crois, et le marché. Ici, c'était vide. Hein? Et après, il y a eu la construction de ce supermarché. C'était juste le bas. Mais aujourd'hui, vous voyez, l'immeuble est quasiment terminé. Tout ça, vous voyez les immeubles avec les grands magasins en bas qui sont en cours de construction ici à Atingué. Vous voyez, magasins à louer. Et tout le bas, tout est vide. Donc, ceux qui prennent là, peut-être c'est pour faire un grand centre commercial. Vous voyez, vous avez des pharmacies partout. Donc, ici, tout ce monde-là, il n'y a même pas de logement. Actuellement, les gens sont soit à l'église ou bien dans les usines. Donc, vous voyez que c'est vide. Mais quand on va dire 17h, 18h, on ne peut même pas circuler sur cette voie-là. Tellement c'est rempli. Tellement c'est rempli. Et cette voie continue jusqu'à Agnama. Donc, tout ici, vous voyez, vous avez des restaurants, des cafés, tout ça. Le petit village là avec des maisons en banco, quelques maisons en dur. Aujourd'hui, vous voyez que tout est construit. Tout est construit, habité. Voilà. Donc, ici à Atingué, on a des terrains, mais c'est avec ACD. On peut livrer quelques terrains avec ACD, mais sans vous mentir, c'est un peu cher, quoi. Et c'est cash. Voilà pourquoi on ne communique pas sur ces terrains-là. Donc, sinon, si vous avez les moyens et que ces terrains vous intéressent, nous avons des terrains de 500 mètres carrés ici, d'autres de 600 mètres, mais avec ACD. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, ces personnes-là peuvent nous contacter et puis passer au bureau. Et là, c'est ça la bonne nouvelle. C'est pour vous présenter le bureau de Télé Afrique. Et c'est ce que vous voyez ici à l'étage là. Voilà, c'est le bureau de Télé Afrique que vous voyez à l'étage là. Tout à l'heure, je vais partir. Bientôt, on va faire les cloisons pour pouvoir aménager et puis faciliter les clients d'Abidjan de ne plus se déplacer jusqu'à Yamsoukro pour faire leurs achats ou bien leurs souscriptions. Voilà, ici nous sommes dans les locaux de Télé Afrique. C'est le bureau qui est là. Voilà, donc c'est une nouvelle construction, c'est un grand magasin. Et maintenant nous allons cloisonner avec des baies vitrées. Voilà, c'est carrément, ici on est carrément au centre d'Atingué, le village d'Atingué là. Donc là, vous avez la voie bitumée. C'est cette voie là, ça c'est le grand terrain d'Atingué. C'était un cimetière, hein, le vide que vous voyez là, mais qui a été décapé, dégagé pour créer un grand espace public. Voilà, donc c'est cette voie là qui va jusqu'à Agnama, grand séminaire, ça soit et bien plus jusqu'à Agnama. Donc ici on est carrément au centre d'Atingué. C'est pas caché, c'est pas loin de la gare routière d'Atingué. Et juste là, à l'étage, voilà, nous sommes là à l'étage. Après on va mettre les enseignes, tout ça, vous allez voir. Donc à Atingué ici, dès que vous venez, quand on va vous indiquer, dès que vous venez, ça sera très visible parce que c'est carrément au centre. Voilà. Voilà. Ok.
Chaque matin, chaque midi, chaque soir, Dieu t'avait dit que la vie que tu mènes là est une vie des plus dangereuses. Oh, oh, tu ne l'as pas compris. D'après toi, tu prenais le gasoil là-haut. Tu te disais, il connaît que Sonia, il vous comprend ça. La gonade des jours, il vous à ton maman. Ah, petit cellulaire. Ah, maman. À cause de toi, toutes les femmes sont confondues. Raison pour laquelle elles ont perdu les valeurs. On les appelle les Goboroboro. Ça fait pitié. Les Gobaladu. C'est pas du tout normal. Les Gobamoudou, maman. À moi, je sais. Les Goudiposo. Elle n'a pas encore fini sa vie. Maman, oh, ah, oh, oui, yes, oh. Mama oh ah ah oui yes oh. Tu vas la ville. Est-ce ah ah oui yes oh. Tu vas la ville. Ronaldo ah ah oui yes oh. Tu vas la ville. A tous en Corée oh ah ah oui yes oh. Tu vas la ville. MPO ah ah oui yes oh. Oula, ah, ok. Tu vas la wile, Bambata, oui, yes, oh. Tu vas la wile, Amelo, oui, yes, oh. Tu vas la wile, Jaki, Otanso, oui, yes, oh. Ouais. Vous-même, regardez. En tout cas, ça va? Vous voyez? Voici un qui est en train de clôturer son terrain. Ils sont, au fur et à mesure que les gens construisent, ça dessine encore les voies. C'est comme ça. Voilà. Voici d'autres qui sont en train de construire encore. Je me rappelle ici. C'est là qu'on passait. On marchait à pied. C'est-à-dire la voiture restait derrière le surpont là. Et on marchait à pied. Pour traverser cette rivière là. Voilà, on marchait à pied ici pour aller visiter les terrains et tout ici c'était EVA. Aujourd'hui le pont est fini. Vous regardez dans le rétroviseur, c'est le village qui est derrière nous là-bas. Ouais. Voici des gens, voici d'autres qui ont commencé à construire sur les terrains. Là, ils ont carrément fini leur clôture. Voilà. Donc je vais soulever le drone et puis on va explorer un peu le site. Chaque soir, Dieu t'avait dit que la vie que tu mènes là est
plus dangereuse. Popo, tu ne l'as pas compris. D'après toi, tu prenais les gazois là-haut. Tu te disais, il connaît que Sonia, il faut compresso. La gonade des jours, il faut nous à ton maman. Ah, petit cellulaire. Ah, maman. Ici à Tingé, voilà, nous sommes sur le site Cité Les Grâces. Voici les gens. Beaucoup ont commencé à construire. Il y a beaucoup qui ont leur ACD ici. Ce qui retarde un peu, c'est que la majorité de ceux qui ont les ACD sont encore dans les zones où les ouvertures des voies n'arrivent pas encore. Vous voyez, voici quelqu'un. Sur son terrain, il a fait deux petits magasins pour marquer son site pour le moment. Et c'est comme ça, en bordure d'une grande voie. Derrière, il a le temps de construire un peu. Vous allez voir, sur tout le site, les gens commencent à construire un peu leur maison, commencent à marquer leur terrain. Et ici, vous allez voir, arriver à un certain moment, tout ici, tout est habité. Ça court ici de partout. Les enfants sont en train de s'amuser. Je vous ai dit qu'il y a déjà une école sur le site. Quelqu'un a fait un groupe scolaire privé qui fonctionne déjà. Voilà. Donc, vous voyez, nous très bientôt ici, on va lancer, comme je l'ai dit, on va faire une grande promotion immobilière des appartements. Voilà, vous voyez, les gens ont déjà marqué les sites. Et là-bas, tout ce que vous voyez, je vais zoomer un peu, vous allez voir. Là-bas, c'est à couper Zédi. Jusqu'à Ebempe où il y a le stade. Donc tout ça, c'est les zones prisées d'Abidjan que vous voyez comme ça là, les futures Benjerville que vous voyez comme ça. Vous voyez, tout ici on passait, c'était EVA. Voilà. Nous sommes sur le lotissement comme ça, Cité Les Grâces, et voici des gens. Ça c'est en quelques mois, juste quelques jours, je ne suis pas arrivé ici là. Voici les maisons qui sont sur tous les terrains. Les gens sont en train de construire. Voilà. Il y a beaucoup même qui sont pressés même pour construire. Ce qui retarde, c'est l'ouverture des voies. C'est l'ouverture parce que c'est un grand site. Et il y a encore des terrains où les gens ont déjà des ACD, mais qui ne sont pas encore accessibles. Les voies n'arrivent pas encore là-bas. Donc c'est ça qui retarde. Sinon, une fois toutes les ouvertures sont faites, mais tout ici là, il n'y a pas quelque chose qui va freiner quelqu'un ici. Voilà, c'est toujours atteint, hein, Cité Les Grâces. Nous sommes en visite. Ceux qui ont déjà visité ici avec moi. Où vous voyez les EVA là, tout ici qui était brousse, qui était inaccessible là, c'est ici là où vous voyez. Voici des gens. Ça c'est des chambres salons, bien des studios qui sont déjà alignés. Chacun commence à construire partout. Derrière là-bas, on va zoomer, vous allez voir. Quand vous voyez un peu d'EVA là, on pense que c'est la brousse, mais tout derrière, c'est les immeubles qui sont en train de pousser là-bas. Voilà, c'est les immeubles qui sont en train de pousser tout là-bas. Je vais avancer un peu, vous allez voir. L'autre côté, c'est à couper Zégui. Et tout ici, regardez tout ça, c'est des constructions. Viens comme ça, viens comme ça. Pardon, hein? Pardon. Vous voyez tout ça. Allez, tous ceux qui ont leurs ACD, qui ont leurs papiers, qui sont dans la zone accessible, là, voilà ça. Tout est en train de pousser. Les maisons partout. C'est comme ça. Donc, ils n'attendent pas quelqu'un. D'ici quelques années, vous allez voir que tout ce site, tout est habité. Voici des gens, certainement, ils sont en train de partir visiter leur terrain. C'est comme ça. Peut-être qu'ils ont acheté
et maintenant ils sont venus, ils vont visiter, ou bien c'est maintenant ils vont visiter pour prendre. Wow. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Et chez vous? Oui, ça va. Dieu merci. Vous partez récupérer votre terrain. Ou bien c'est maintenant vous voulez payer? Non, non, on va regarder d'abord, on va travailler. Avant de payer, quand vous partez travailler, ouais. Vous partez payer? On va te capter. Ah, ok, c'est bon. 3 000 hectares et en tout cas, la conversation a été très 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 enrichissante parce que apparemment c'est un grand opérateur, ce sont des opérateurs, ils vont vous décaper ici après la cité Yétikan. Ouais, donc c'est eux, comme il veut pleuvoir là, ils ne veulent pas prendre de risque. Ils ont laissé leurs véhicules en haut là-bas et puis ils vont visiter le site. Voilà, pour faire un décapage. Après la cité Les Grâces, a dit tout ça là, vous voyez que c'est brousse. Mais c'est déjà centre-ville parce que les gens vont faire des décapages au fond, au fond, au fond. Tout ici, là-bas, c'est la zone industrielle que vous voyez là. Juste à côté de kilomètre 22, avant Jesco, quand vous étiez à Yamsou. Donc, Atenye, c'est stratégiquement très, 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 très bien placé. Ce que vous voyez au fond là-bas, là, c'est au bord de l'autoroute. Hein. Voilà, c'est au bord de l'autoroute, à l'entrée d'Abidjan. Voilà, PK22. Donc, Atenye, c'est un endroit stratégique. Voilà, c'est un endroit stratégique. C'est le miroir d'Abidjan quand vous quittez à l'intérieur du pays.